mes biches, bien quoi la patate, la bouillabaisse, jusqu'au sourcil, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est moi le petit marseillais, le petit sudiste, avec sa petite bouillabaisse qui est sous-chargée. Va te commencer la semaine sur l'Obscur Clan en beauté les amis, puisqu'aujourd'hui le commentary qui va durer peut-être très peu de temps, mais qui va être très très intéressant, de la grosse news, de la grosse information. Aujourd'hui, les biches. Alors je vais commencer directement à présenter le gameplay, puis on va enchaîner directement avec le commentary et la news. Pour le gameplay, on se retrouve avec le joueur Mathis sur Call of Duty Black Ops 3 qui va nous réaliser tout simplement une petite nucléaire sur Nuketown à la CUDA. Rien d'extraordinaire, un petit support visuel pour vous, pour que ce soit plus agréable à écouter mon commentary, mais quand même une petite performance sympathique. Et je vais vous inviter, vous, les viewers de l'Obscur Clan, à lâcher tout d'abord un pouce bleu et à commenter pour féliciter tout simplement le player. Allez, sans plus tarder, on commence avec la petite news, les amis, la petite information qui va vous faire plaisir, puisque ça va avoir un rapport avec les soupers drops. Alors, je préfère préciser directement dans cette vidéo, il va y avoir un accent en anglais de merde, soupers drops, je ne sais pas le dire, mais c'est pas le plus important. Est-ce que t'aimes bien partir en multijoueur et trancher des ennemis avec une épée, éclater des joueurs à coups de pied de biche ou alors encore à coups de poing américain? Eh ben, je pense que tu es au courant, c'est possible sur Call of Duty Black Ops 3, on a ces armes à disposition et on a cette dynamique de gameplay. Mais le petit souci, c'est qu'encore faut-il avoir ces armes dans les super drops. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir en multijoueur pour obtenir des clés de cryptage, tu vas beau avoir joué, beau avoir ouvrir des super drops, mais jamais les armes que tu veux, l'épée. Elle pointe même pas le bout de son nez. Tu décides carrément de passer l'étape supérieure, ma biche, et tu vas acheter des points code parce que tu la veux, ta putain d'épée, mais toujours rien à faire, il n'y a pas d'épée. Et bien, si tu t'es reconnu dans cette description, je pense que cette vidéo et cette news est faite pour toi, puisqu'on vient d'avoir un petit screen qui vient tout droit des États-Unis. Alors, rien n'est confirmé par Treyarch, mais vu la qualité du screen, il y a de très fortes chances que ça soit un petit bug du jeu et qu'on ait eu une petite avant-première. Vous savez, on avait déjà eu ça avec une certaine arme. Et ben là, il y a eu pareil d'un américain sur Xbox qui a pris un screen comme quoi le supply drops, le marché noir, va un petit peu changer. Actuellement, quand tu vas dans le marché noir et tu cliques sur le marché noir, tu as quoi? Tu as des supply drops standards et des supply drops rares. Et ben si tout se passe bien, prochainement tu auras des time bride et ce sera tout simplement des super drops que tu ne pourras ouvrir que et uniquement que en achetant des points code. Donc encore un moyen de nous pomper le fric, qu'on commence à avoir l'habitude, mes biches. Mais ça sera quand même quelque chose de plutôt sympathique qui va sûrement pouvoir permettre de rentabiliser les sous que tu as mis, puisque ça sera une catégorie de super drops qui te permettra d'avoir énormément de chances d'avoir les nouvelles armes qui viennent de sortir, comme par exemple l'épée, le pied de biche ou encore le point américain, mais également les tout nouveaux camouflages et aussi les tout nouveaux spécialistes. En tout cas, je pense que la communauté Call of va être plutôt contente parce que ça nous permettra enfin de pouvoir avoir les armes qu'on veut, d'avoir beaucoup plus de sens pour les obtenir, et c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir tuer des gens, les couper en deux à coups d'épée. En tout cas, je pense que mon petit fufu, lors du montage, vous mettra tous les screens qu'il faut pour vous voyez un petit peu la qualité et à combien de pourcents est-ce qu'on peut se fier à cette information. En tout cas, on vous tiendra au courant s'il y a des petits fuite qui sortent sur Twitter, on n'hésitera pas à vous en faire part. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que tu penses que c'est du fake ou pas, ma bière rare? Et ben si tout se passe bien, prochainement tu auras des time bride et ce sera tout simplement des super drops que tu ne pourras ouvrir que et uniquement que en achetant des points code. Donc encore un moyen de nous pomper le fric, qu'on commence à avoir l'habitude, mes biches. Mais ça sera quand même quelque chose de plutôt sympathique qui va sûrement pouvoir permettre de rentabiliser les sous que tu as mis, puisque ça sera une catégorie de super drops qui te permettra d'avoir énormément de chances d'avoir les nouvelles armes qui viennent de sortir, comme par exemple l'épée, le pied de biche ou encore le point américain, mais également les tout nouveaux camouflages et aussi les tout nouveaux spécialistes. En tout cas, je pense que la communauté Call of va être plutôt contente parce que ça nous permettra enfin de pouvoir avoir les armes qu'on veut, d'avoir beaucoup plus de sens pour les obtenir, et c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir tuer des gens, les couper en deux à coups d'épée. En tout cas, je pense que mon petit fufu, lors du montage, vous mettra tous les screens qu'il faut pour vous voyez un petit peu la qualité et à combien de pourcents est-ce qu'on peut se fier à cette information. En tout cas, on vous tiendra au courant s'il y a des petits fuite qui sortent sur Twitter, on n'hésitera pas à vous en faire part. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que tu penses que c'est du fake ou pas, ma bille? Tuer des gens, les couper en deux à coups d'épée. En tout cas, je pense que mon petit fufu, lors du montage, vous mettra tous les screens qu'il faut pour vous voyez un petit peu la qualité et à combien de pourcents est-ce qu'on peut se fier à cette information. En tout cas, on vous tiendra au courant s'il y a des petites fuites qui sortent sur Twitter, on n'hésitera pas à vous en faire part. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que tu penses que c'est du fake ou pas, ma bille? N'hésitera pas à vous en faire part. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que tu penses que c'est du fake ou pas, ma bille?
est-ce que tu penses ou par ma biche. N'hésite pas à lâcher ton petit like, à t'abonner à l'Obscur Clan si tu veux plus de news, parce que je pense que je vais repasser sur l'Obscur Clan avec des petites news très prochainement. Et puis moi je vous dis tchou les gars, c'est nos frags. Allez, news très prochainement. Et puis moi je vous dis tchou les gars, c'est nos frags. Allez.